bonjour à toutes et à tous, chers amis, et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc là, nous allons continuer, bien sûr, à voir l'évolution, donc je dirais, de la construction du Maria Magdalena. Vous allez voir, donc, je continue à construire, comme je l'ai dit, cette maquette est en majorité, donc, je vais aux trois quarts en carton. Donc, je vais préparer, là, je continue à préparer maintenant le montage sur la quille, donc des coupes, et je vais préparer, je dirais, je me répète à nouveau, l'entrepoint. Donc, de manière à réduire l'ensemble de la quille et des couples. Comme je vous l'ai dit, je ne mets pas de chantier là. Pour les personnes qui font des modèles réduits, voilà. Habituellement, c'est vrai qu'on fait, on met un chantier de manière à poser la quille et puis après monter les couples ou les membrures. Et bien sûr, après, attaquer le bordé de part et d'autre de la coque. Donc là, comme c'est une coque en carton, de toute manière, je n'ai pas trouvé utile de faire un chantier. Et d'ailleurs, vous avez dû voir que la quille par elle-même est sur toute la hauteur de la coque, je dirais. Donc vous allez voir tout au long de l'épisode qui suit là, l'évolution, bien sûr, de la maquette. Donc là je prépare, comme je vous le disais, je trace la hauteur donc de mon entrepont de manière ensuite à venir poser donc les membrures, les renforts je dirais qui vont venir se fixer sur les couples et ceux-ci ensuite recevront l'entrepont. Donc voilà, là je me rapproche de la maquette. Enfin, je dirais pour l'instant de l'ossature quille et couple. Voilà, donc vous avez vu, je trace là de manière après à poser, je dirais, une espèce de poutre en carton, bien sûr, de part et d'autre du couple qui recevra l'entrepont, et ceci va me raidir l'ensemble et en même temps me mettre aussi bien la quille que les couples à l'équerre, bien d'équerre. Voilà. Et cela va bien réduire l'ensemble. Voilà, donc là bien sûr j'ai écourté un peu le film, sinon c'est très long. Là vous voyez, on voit bien les poutraisons, je dirais, qui viennent se mettre en renfort en même temps sur les couples et qui vont recevoir l'entrepont. Donc vous voyez, à des hauteurs différentes, là à la proue bien sûr l'entrepont sera plus haut, et en même temps ça va bien me réduire l'ensemble donc de l'ossature quille et couple, donc membrure. Voilà, je vous laisse regarder donc le travail que j'ai effectué. Alors tout ceci est actuellement en carton, exclusivement en carton. Voilà, ce sont des cartons d'emballage hein, que l'on trouve soit quand on achète de l'électroménager, ou alors on peut en demander, on nous en donne des cartons pour déménager ou autre, ou les acheter éventuellement. Mais bon, en général, c'est justement l'avantage d'une maquette en carton, c'est que ça ne revient pas excessivement cher. Vous pouvez également voir que la maquette aura quand même, je dirais, une longueur assez importante. Voilà, donc là maintenant je suis passé de l'autre côté et je fais le même travail. Donc j'applique de la colle et je vais fixer donc mes renforts contre les couples qui recevront également sur cette partie là l'entrepont. Voilà. Là, je me fais la même opération des deux côtés. Alors là, bien sûr, je prends également de la colle néoprène, c'est de la colle contact. Vous voyez? Donc, comme vous le savez, la colle contact, on en met un peu sur les deux parties, on attend à peu près 5-6 minutes, je dirais, et hop,
en la fixe. Alors là par contre il ne faut pas se rater comme on dit, parce que sinon c'est foutu quoi. Voilà. Et par contre après c'est fini, ça ne bouge plus. C'est l'avantage de la colle néoprène. Donc moi pour ce type de travail j'utilise la colle néoprène. Et résiste à tout, ouais, aux intempéries, à tout. Donc pour un bateau en tout cas c'est ce qu'il faut. Vous voyez, c'est quand même un travail de longue haleine. Faire un modèle réduit, c'est quand même un travail qui demande beaucoup de patience et un travail de longue haleine, comme je vous disais. Et de la minutie également, oui. Alors bon, c'est une passion, hein. C'est une passion que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à faire des modèles réduits à 9 ans. J'ai commencé par des maquettes LR, donc des maquettes en plastique, bien sûr des petits modèles, parce que là, à cet âge-là, surtout en débutant, on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qui m'a permis après à évoluer, bien sûr, dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment une de mes passions. Je dirais une des principales, en tout cas. Donc là je me rapproche et vous allez voir de plus près bien sûr le travail qui a été effectué. Vous voyez, donc je recommence exactement comme j'ai fait sur l'autre partie. Voilà, vers la poupe, le milieu. Là, c'est vrai, ça semble un peu disloqué, mais vous verrez par la suite, en raidissant l'ensemble, ce sera vraiment, je dirais, nickel, si je puis employer ce terme. Et l'ensemble sera vraiment raide, bien raidi et droit. Et bien sûr, les couples avec... Donc sont venus se fixer, je dirais, sur la quille. Tenant mortaise, système de tenant mortaise, voilà. Ce qui fait que quand vous enfilez les deux, vous enfilez donc, vous faites glisser le couple donc sur la quille, celui-ci s'en glisse et reste bien droit, bien d'équerre. Donc après, il suffit de le fixer par l'entrepont pour qu'il ne bouge plus. Et qu'il soit donc d'équerre aussi bien sur la verticale que sur l'horizontale. Vous voyez la poupe. Je vous fais voir un peu l'ensemble donc. Et ensuite je m'approche. Voilà, donc sur la proue. Voilà, donc sur la proue. Là bien sûr on avance doucement vers le milieu du bateau. Et à l'arrière bien sûr où je vais avoir donc la partie moteur, je dirais, je vais avoir l'entrepont qui sera plus bas. Vous le verrez par la suite, nous le verrons plus tard. Et là bien sûr comme je vous disais, au fur et à mesure de l'évolution je modifierai peut-être un peu la forme de la coque. Je sais pas, pour l'instant je suis parti sur une première idée. Et peut-être que par la suite, je modifierai un peu la proue, voire éventuellement la poupe également. Mais ça, je verrai par la suite. Voilà, là, nous voyons ensemble. Donc, bien sûr, j'ai raccourci un peu le film, parce que sinon, cela demanderait vraiment beaucoup de temps, comme vous vous en doutez. Alors là, je prépare, bien sûr, je découpe dans du carton les parties d'entrepont. Donc ce sont, chaque partie va venir se glisser entre les couples, et donc je découpe et j'ajuste celle-ci en les coupant bien d'équerre, comme je vous disais, de manière à bien renforcer et à ce que tout l'ensemble soit bien d'équerre. Et une fois que tout l'ensemble sera sec, bien sûr
j'attaquerai le bordé de part et d'autre de la corque. De part et d'autre des membrures en tout cas, pour donner forme à la corque, plus exactement. Voilà, vous voyez là, je découpe et j'ajuste en même temps chaque partie. Donc c'est un travail assez minutieux. Vous voyez, voilà, là on le voit, je glisse donc mon entrepont et je vais l'ajuster exactement à la demande par rapport au couple. Je vérifie que l'ensemble soit bien d'équerre et ensuite, une fois que tout sera bien, je dirais, bien ajusté, dans ce cas j'en colle et puis je pose définitivement. Voilà, vous voyez, donc là je passe la colle sur le couple, je dirais sur les deux couples, ainsi que sur la partie donc qui forme l'entrepont, qui va former l'entrepont. J'enlève les bavures de manière à ce que le travail soit propre tout de même. Je vérifie bien l'équerrage, la fixation. Et là, comme c'est de la colle contact, j'appuie légèrement de manière à bien mettre en contact les deux parties, donc aussi bien sur le couple que sur la quille et l'entrepont, afin que celle-ci soit bien fixée. Donc là, nous allons faire à nouveau un zoom sur ce que j'ai fait. Vous allez voir, voilà, vous pouvez donc voir sur la proue, bien sûr la partie avant, donc l'entrepont, comme je vous disais, voilà ce que cela donne. Ensuite, là, vous verrez par la suite, je vais renforcer le dessous, comme c'est du carton, je vais le rigidifier avec, je dirais, une poutraison qui sera formée, bien sûr, elle-même par des morceaux de carton. Et bien, voilà, chers amis, nous verrons la suite, donc, de ce que je vous disais dans l'épisode suivant. Je vous remercie à toutes et à tous de vous intéresser à ce que je fais et à ma chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres documentaires, ou même voir également, si vous pouvez voir, les châteaux et autres. Merci à toutes et à tous, une bonne continuation et je vous souhaite le bonsoir. Merci. We'll be right back.